Thank you.
We'll be right back.
Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bon stream à l'arrache, j'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes techniques. J'avais un petit souci de chat parce que là j'utilise QuickSync au lieu de Nvidia, le truc de Nvidia pour streamer. Et je sais pas pourquoi quand je fais une capture de fenêtre, ça peut pas m'afficher, ça m'affiche le fond mais ça m'affiche pas le texte du chat. Donc je sais pas pourquoi, là j'ai réussi à faire un tel problème, je fais une capture de bureau carrément, donc bah, ça a l'air de marcher, bon. Pour l'instant on va faire avec. Vous regardez surtout si la qualité, vous me dites si c'est bon, si c'est pas trop dégueu surtout. Ça sera pas non plus excellent à cause de mon débit. Et s'il y a des problèmes de délai de chat, comme les 5 minutes qu'on a vu avec Rada, c'était quand? C'était lundi pour le stream de Beyond Good and Evil. Donc là, ça va être un stream Star Citizen un peu à l'arrache. Pas grand-chose de nouveau à présenter parce que le patch qui amène pas mal de contenu, il est en cours, il devrait sortir d'ici ce soir ou demain. Donc il y aura plein de nouveautés sur ce patch et le mode duel FPS devrait sortir d'ici la fin du mois, si tout va bien. C'est pas net net mais ça se regarde. Mais après c'est sûr que c'est toujours un peu flou Rada à cause de mon débit. Bon l'instant en plus je bouge pas trop mais bon. Alors ça c'est toujours mon beau vaisseau, mon Hornet, mon super Hornet. Avant j'avais l'Hornet de base que j'ai upgradé en super Hornet qui est super armé. Deux canons en bas, deux en haut et deux sur les côtés, plus des missiles en dessous, le truc il déchire. Et il y a eu un. Ils nous ont donné un vaisseau à tester cette semaine, je vais vous le présenter, c'est le Cutlass Black. On va dire bonjour aux poissons et on va s'essuyer les mains sur la serviette parce que je sais que vous aimez ça. Donc j'ai toujours mon petit aquarium que j'ai gagné avec un poiscaille et j'en ai pas acheté d'autres parce que ça, j'ai rien à foutre. Oui, Rada, les boucliers sont là. Zoé est présente. Elle arrive. J'ai gagné, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné un magnifique présentoir avec les différents, enfin une maquette de Mustang. Le Mustang c'est un vaisseau qui est disponible, donc là c'est le Mustang Alpha, c'est le vaisseau de base que j'ai pas acheté, mais avec lequel on va pouvoir commencer le jeu, et si on veut on peut acheter les maquettes des autres vaisseaux, les autres Mustangs, le Delta, le Beta, le Gamma et l'Oméga. Oui parce que oui ça s'achète les maquettes, le jeu s'achète, enfin le vaisseau s'achète et la maquette du vaisseau s'achète aussi. Donc je... Voilà, la magnifique serviette qu'on peut utiliser. Ouais, Chatback, c'est en monnaie réelle, il me semble. À part que ce soit peut-être un crédit du jeu. Mais les crédits du jeu, dans tous les cas, peuvent s'acheter en monnaie réelle. Donc, parce que les crédits du jeu, c'est les UEC. Et on peut en acheter. On peut utiliser de la monnaie réelle pour acheter des crédits du jeu qui permettent d'acheter des armes. Parce que, par exemple, pour les armes, on est obligé de les acheter à monnaie in-game. Et on peut acheter, on peut dé... Quand j'ai acheté mon pack, j'ai eu 20 000 crédits offerts. Et si on veut, on peut en acheter en plus avec des euros sonnants et trébuchants. Bon, j'ai gagné aussi une combinaison qui me. Je sais pas trop à quoi sert, soit. Et j'ai un. Oula, ça rame un peu. Et j'ai un présentoir pour mettre des trucs que je sais pas trop parce que je les ai pas achetés non plus. Soit. C'était pas en pay to win, Star Citizen. En ce moment, participe au financement du jeu. Si tu veux, tu peux attendre que le jeu soit fini et tu l'achèteras une seule fois, comme tu as fait avec Illy. Tu dépenseras 40-50 euros. Et voilà, là c'est vraiment si tu as envie de participer, tu peux dépenser des sous réels. Mais en plus, avec le patch 1.1 de l'Arena Commander qui arrive, on sera moins obligé de dépenser des euros réels. Parce qu'en fait, ils vont mettre en place un système de crédit qui fait que quand tu vas jouer à l'Arena Commander sur des parties en ligne, plus t'es bon, tu vas gagner des crédits spécial Arena Commander qui vont te permettre de louer un vaisseau que tu vas tester pendant, je sais pas, enfin pour l'instant ils n'ont pas décidé, enfin, je connais pas exactement le système, mais voilà. Tu vas avoir des crédits, tu vas pouvoir louer un vaisseau et le tester dans l'Arena Commander pendant un temps limité du style une semaine. Voilà, donc ça va être des crédits in-game, là ça va être vraiment basé sur le jeu.
C'est ceux qui vont jouer qui vont pouvoir gagner des crédits pour tester des nouveaux vaisseaux sans avoir à les acheter en argent réel. Parce que là, c'est justement leur principale critique en ce moment, c'était ouais, j'ai envie de tester ce vaisseau, mais je suis obligé de l'acheter. À part pour, par exemple, en cette semaine, il y a le Cutlass Black qui est prêté pour des tests et pour du debugging. Donc de temps en temps, ils font pendant une semaine, ils prêtent un vaisseau. Mais alors que là, on va pouvoir décider à quel moment on a envie de jouer. Parce que là, si on n'est pas disponible de la semaine, ben, on se fait avoir parce qu'on peut pas toucher au vaisseau. Bon, là, c'est bien joli de vous présenter ça. Je vais commencer à jouer. Qu'est-ce que je vous demande d'abord? Le Cutlass Black. Allez, on va prendre le Cutlass Black pour commencer, puisqu'il est dispo. Hop, par un commandeur. Ouais, c'est ça, Rada. C'est un Kickstarter par morceau. Si t'as envie, tu payes pour jouer. Et avoir une version alpha, et c'est juste en preview, mais sinon t'attends que le jeu soit terminé. Donc là, je choisis le Cutlass Black. T'attends que le jeu soit terminé et t'auras un jeu complet. Là, à la fin du mois, ils vont donner normalement le module FPS, mais bon, voilà, ça va être une preview, ça va être buggé, c'est de l'alpha. Hein. Vaut mieux attendre, si t'es pas pressé, t'attends que le jeu sorte. Est-ce qu'il y a des soucis techniques? Est-ce que le chat marche bien? Pas trop de participation pour l'instant sur le chat, à part Ada, un peu chatback. J'espère que ça se met bien à jour parce que je vois plus rien. Parlez-moi. Ah, c'est bon, chatback. Je vous vois, je vous vois. Modèle économique, on aura encore tous les achats de game, qu'est-ce que tu veux dire? Chatback, parce qu'à la fin, normalement, quand le jeu sera sorti, t'achèteras le jeu final, comme Elite, et t'auras rien dépensé in-game. Tout se fera avec des crédits in-game que tu gagneras en jouant. C'est comme ça, normalement, à la fin, que ça va se passer. À part peut-être pour des trucs cosmétiques, où ils vont mettre un vrai système avec des vrais euros, mais normalement, t'auras pas les. T'auras pas vraiment dépensé de l'argent pour gagner, et c'est pas un pay-to-win, quoi. Tous les armes, les vaisseaux, ça sera avec des crédits in-game. Et les récompenses pour ceux qui auront des sous pendant le développement, alors par exemple moi j'ai un pack qui contient le vaisseau qu'on a vu dans mon hangar. Donc moi j'aurai ce vaisseau qui a une assurance, une LTI, donc une long term insurance. Ça veut dire que j'aurai toujours ce vaisseau quoi qu'il arrive, même si je le détruis. Parce que quelqu'un qui commence le jeu, je sais pas si t'as joué à Elite, mais t'as le vaisseau de base. Et après, tu dois faire des missions pour gagner des crédits et acheter les vaisseaux au-dessus. Et donc après, t'as les vaisseaux supérieurs et tu dois payer une assurance au cas où tu le détruis. Et si jamais t'as pas les sous pour payer l'assurance une fois que ton vaisseau est détruit, bah, tu repars avec le vaisseau de base. Alors que moi, ce que j'ai avec ma Lifetime Insurance, c'est que même si je détruis le vaisseau que j'ai acheté et qui est dans mon hangar, donc le Super Hornet, je le récupérerai toujours. Je commencerai jamais le jeu avec le vaisseau de base si j'ai envie. Ben, si j'ai envie, je le prendrai. Si j'ai envie de me faire du mal. Mais sinon, je peux toujours commencer le jeu avec le Super Hornet. Donc, et après, c'est surtout comme avantage, c'est d'avoir accès à tous les modules alpha et bêta. Voilà, j'ai eu quelques crédits au début et c'est tout, le hangar, c'est surtout, voilà, c'est vraiment les modules alpha, bêta pour voir l'avancement tout au long du développement du jeu. Qu'est-ce que tu veux dire, Ada, quand tu dis dans 2 ans je peux perdre mes vaisseaux vu que je n'aurais pas eu à durer l'argent? Ben en fait, tu vas jouer, tu vas commencer avec un vaisseau de base, tu vas gagner des crédits. Et si jamais tu meurs, ton vaisseau est détruit par des pirates ou je sais pas quoi, ou tu te le fais voler, eh ben tu vas avoir un système d'assurance qui peut te rembourser ton vaisseau, t'en donner un nouveau, comme dans la réalité. Et si t'as pas l'argent pour payer l'assurance, ben t'auras pas l'assurance qui va te donner un nouveau vaisseau qui pour remplacer celui que t'as détruit. Voilà. Non, Chatback, je ne peux pas détruire les astéroïdes. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Est-ce qu'il y a du délai sur le chat d'ailleurs? Ou est-ce que c'est quasiment en temps réel puisque on est entre nous, s'il n'y a pas de délai comme ça. S'il n'y a pas de délai, ça serait cool.
Alors voilà le Cutlass Black. Pour l'instant, vous voyez juste le cockpit. 5 secondes de délai, ça va, c'est classe. Là, on voit pas grand-chose, donc je vais passer en vue externe. Donc voilà le Cutlass Black, qui est légèrement plus gros que le support net que vous avez vu dans mon gars. Alors le Cutlass Black, c'est un vaisseau, c'est l'espace de l'espace. C'est comment ça peut... Il y a quoi comme... Ah, c'est pas la Kangoo, c'est quoi les voitures espace là? Enfin, c'est un truc pour transporter des gens, c'est un minibus quoi. C'est vraiment pour de la milice. Alors, Q-Shot, l'assurance est gratuite pour les backers. Alors, moi, comme j'ai été dans les premiers backers, j'ai la LTI, donc la Lifetime Insurance, c'est infini. Et après, c'est 2 ans pour les suivants et 6 mois, plus t'attends, plus l'assurance se réduit. Là, les derniers qui vont backer, ils auront que 3 mois ou 6 mois, je sais plus exactement. Voilà. Donc, plus t'attends, moins t'as d'avantages. Puisque maintenant, il y a quasiment 1 million de personnes qui ont backé déjà. Ils ont 70 millions ou je sais plus combien d'argent. Alors que moi, ils avaient 200 000 dollars quand j'ai backé. Alors, j'étais en train de vous parler du Cutlass Black. Donc, il y a un véhicule de transport. Tout à l'heure, je vais essayer de me poser pour vous faire visiter l'intérieur. Et donc, c'est vraiment du transport de troupes pour les milices ou pour les pirates. Parce qu'on va voir à l'intérieur, c'est assez spartiate, c'est juste pour déplacer quelques personnes d'un coin de la galaxie à un autre. Et pour s'appanter, parce qu'on peut voir en dessous qu'il y a un trou. Comme ça, hop, on peut s'amarrer à des vaisseaux plus gros pour ensuite les attaquer. Il y a une très belle vidéo sur YouTube d'ailleurs avec les assets du jeu qui fait ça, où il y a un gros vaisseau, je sais plus ce que c'est, et celui-là se pose au-dessus, paf, il y a le truc d'en dessous qui s'ouvre et il y a les pirates qui descendent et qui tuent tous ceux qui sont à bord et qui volent le vaisseau. C'est classe. C'est fait avec les assets du jeu qui sont sortis en ce moment. Mais tout le système de dégâts devrait changer. Il y a pas mal de choses qui vont changer avec le patch 1.1 qui sort, qui est disponible sur la PTU. La PTU, c'est un environnement de test de Star Citizen. C'est des serveurs séparés. Mais il faut télécharger 30 gigas à chaque fois si tu veux switcher entre le mode classique et la PTU, et j'ai la flemme de télécharger 30 gigas alors que le patch devrait sortir d'ici quelques jours. C'est vraiment pour ceux qui peuvent pas attendre quelques jours et qui veulent tester en avant-première. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Mais en fait, je vais essayer d'avancer un peu d'ailleurs. Je mets un peu les gaz. Je vais essayer de pas me prendre un astéroïde. Donc, on peut voir les thrusters latéraux qui bougent, hein, puisque. Et les gros. Donc, hop, si je tente une grosse accélération. Tac, je vais changer la caméra. Voilà. Attends, j'ai quoi qui est activé par contre? Là, je switch entre. Non, je suis bien couplé. On sent vraiment comparé à mon Hornet que c'est un peu la galère à piloter. C'est pas super réactif, mais c'est normal. C'est vraiment une Kangoo. Hein. Enfin, non, c'est pas une Kangoo. C'est un espace. Hein. Hop. Donc là, coup de boost. On voit bien le thruster qui bouge. Hop. Et normalement, non, Q-Shot, l'assurance devrait pas coûter grand chose in-game. Enfin, si c'est comme sur Elite. C'est pas non plus super super cher, hein. C'est comme dans la réalité, l'assurance de ta voiture coûte pas le prix de ta voiture, hein. Ça va coûter un dixième, un cinquantième, un truc comme ça, voilà. Hop, les thrusters, on voit les thrusters qui s'inversent. Le niveau de détail est assez ahurissant et je vais vous montrer que voilà, ça c'est vraiment un des premiers vaisseaux et c'est super bien foutu. Je vais essayer de me poser, c'est pas gagné. C'est super pas gagné. Alors là, j'ai la vitesse qui est à 100. Je sais jamais où cette putain de plateforme allait là. J'aime pas le filtre verdâtre qu'ils ont foutu sur le cockpit du vaisseau. C'est assez dégueulasse par contre. Voilà la plateforme, on va se poser dessus. C'est pas gagné. Alors faut que je ralentisse bien, 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 bien. Ah, faut les freins, 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 freins. Voilà, zéro. Paf. Ce truc est une vraie horreur à piloter. Ouais, Q-Shot. Je suis au pad. D'ailleurs, Zoé? Zoé?
À vos ordres, capitaine Jack Warrior. Ah, la chiopade avec Zoé qui m'aide pour les commandes vocales. Et sinon, c'est manette 360. J'arrive pas à m'en sortir. J'ai un OTAS que je me sers sur Elite, mais j'arrive pas du tout à m'en sortir sur Star Citizen au OTAS. Je sais pas pourquoi, un problème de calibration, c'est pas assez précis, enfin, ou trop, et je m'en sors pas. Alors, je vais essayer de me poser sur cette plateforme. On va y aller doucement. Oula. Avance un peu. Les créneaux, c'est toujours mieux en vue extérieure. Ta-da. Sors le train d'atterrissage, allez, sors-le, c'est automatique. Et tout le système d'atterrissage va être refait sur le prochain patch. J'ai lu ça dans le changelog tout à l'heure. Allez, FFF, et là, hop, je sors, c'est bon, je suis posé. Donc je sais pas trop comment ça se passe, là c'est un peu pourrave le système d'atterrissage, les collisions sont pas terribles. Alors, le carac, on peut. Voilà, le carac, donc c'est un deux places de pilotage. On peut se mettre à la deuxième place. Y a rien. Ça fait rien. Voilà, je m'assois, je peux regarder par la fenêtre, pour l'instant ça sert à rien. Alors, on peut ouvrir la trappe qui est là. Hop, je vais vous montrer les détails. On peut passer en vue extérieure aussi, ça marche. Pour l'instant, l'animation du perso est ultra rigide. Mais tout est en train d'être refait apparemment. Ils vont pour le prochain patch justement, il y a toutes les nouvelles animations. Ils ont tout refait avec de la motion capture pour le FPS. Donc je pense que ça va être bientôt corrigé parce que là, bon, il a un gros balai dans le cul le mec. Mais c'est plutôt pas mal foutu pour l'instant. Et what? Voilà, c'est bon. Zoé, comment À quoi? vos ordres, capitaine Jack Warrior. Ah ta gueule Zoé. Ah non, tu peux pas voir Zoé. Non, désolé, elle est timide, Zoé, elle se montre pas trop. On peut voir les. La modélisation du vaisseau qui est quand même ultra bien foutue. La finition est vraiment ahurissante. Alors que on est qu'en alpha. Alors, où est le bouton d'ouverture de la porte? Et voilà, donc là c'est vraiment. C'est du transport assez brut, hein, c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment une soute où il y a des mecs, tu peux t'asseoir, voilà, il y a des strapontins comme dans le métro. Voilà, tu t'assois, t'es un pirate, t'attends là, tu peux. T'attends d'attaquer, t'es chaud là. Hop. Donc ils ont fait un système de strapontins. On peut dormir si t'as envie de faire une petite siesta, voilà. Tu peux t'allonger tranquillement. En attendant, hop, tu te reposes. Pff, si t'es fatigué. Je sais pas si on peut passer en vue extérieure, ça marche pas des masses, ouais, la vue extérieure c'est que le vaisseau après. Ah, c'est pas le grand confort, mais bon, c'est vraiment pour du transport juste. Les proportions sont correctes, Chabak? Les proportions de quoi tu parles? Du vaisseau? On dirait que l'intérieur est beaucoup plus grand que l'extérieur. Normalement, non, les proportions sont correctes puisque tu peux vraiment. Tu peux te balader sans transition entre l'extérieur et l'intérieur. Donc les proportions, tout est respecté. Non, c'est pas non plus super grand, hein. Ah d'ailleurs je vous ai pas montré, oui parce que bon on est pirate dans l'espace, voilà, là on peut s'asseoir, on peut dormir, mais aussi on a des envies pressantes parfois et il faut faire caca. Donc quand même ils ont fait un système de chiottes, hein. C'est les chiottes de l'espace. Bon par contre, pas trop de discrétion, enfin voilà t'es un peu au milieu de tout le monde. Et ouais c'est pas terrible, si tu fais des odeurs, bah, tout le monde en profite. Donc voilà, les chiottes de l'espace, c'est un peu spartiate. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben voilà, là on peut vraiment se balader. Ah si, je peux vous montrer quelque chose qui est sympa, c'est qu'ils nous ont donné une arme. Un petit aperçu du module FPS. Un pistolet laser. Piu, 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 piu.
Non mais Radar, je peux pas aller sur ma planète. C'est assez limité. Ça va sinon la qualité pour l'instant en fait, pas trop dégueulasse avec QuickSync. Non voilà, je peux faire piu-piu sur des vaisseaux. Alors je vais vous montrer un petit bug qui m'a fait bien marrer. Hop, je passe en piu-piu, je monte l'échelle. Et là, donc là, j'ai plus le pistolet. Ouais, c'est un peu la soupe, ouais. Je m'en doute un peu, mais bon, on verra. Et donc là, j'ai plus le pistolet. Je passe en Vexterne. Et hop, j'ai le pistolet qui se balade à côté de moi. J'ai un pistolet qui flotte à côté de moi. C'est un peu bugué, je suis pas foutu de le mettre à ma ceinture. Et hop, quand je le reprends, tac! Je peux essayer de faire une démo du système de destruction. Non, non, si je tire sur le vaisseau, il y a les parties qui vont se détacher petit à petit. Mais le système de dégâts est en train d'être fait entièrement, donc voilà, c'est work in progress. Donc on peut voir que ça commence à se détacher petit à petit. Voilà, hop, j'ai perdu juste la partie sur laquelle je tirais. Moi, si je tire sur lui, c'est le thruster qui va se péter. Bon là, là c'est un peu l'intérieur qui est en train de péter aussi. Par contre, j'ai testé, si je tire à l'intérieur, il n'y a que la coque extérieure qui morfle. Bon, c'est assez fun. Voilà. Mais bon, on peut voir quand même que déjà le système de dégâts est pas trop mal foutu et bien localisé. Sachant qu'on est à un an de. Au moins un an et demi de la release, ça augure du très très bon pour le futur. Mais ouais, c'est quand même un pistolet super puissant, hein, vous remarquerez. Bon allez, je suis énervé là. Fait des gros trous dans la coque. Boum! Là, je crois qu'il n'y a plus que les trucs indestructibles. Oh, des morceaux de vaisseau qui disparaissent devant moi. Bon, ça flotte un peu. Mais bon, soit. On peut plus trop grimper à bord là. Ah, des collisions, je suis bloqué. Ah, merde. Plus de temps. Bon, en fait, je crois qu'il y a. Ah non, je peux passer. On peut voir l'intérieur du vaisseau. Ah là c'est. Ouais. C'est pas trop mal foutu. Ah, vous voulez que je monte quoi après partie de Vandoul soir mais avec mon supérieur net. Et avec Zoé, qui m'aide à piloter. Max les boucliers, Zoé. Max les boucliers. Bouclier. Ah, toujours la Zoé. Ouais, bon là j'ai un peu tout pété maintenant. Ah, tout a disparu. Je sais pas trop par contre comment il arrive à tenir un l'air, mais soit, soit. Juste quelques petits trucs qui flottent. Ouais, non, le Vandoul Swarm, le Cutlass, il a aucune puissance de feu ce truc. Ça en vaut à manœuvrer. Je préfère prendre mon Hornet qui est fait pour le combat. Allez, on va revenir dans le hangar et on va faire du Super Hornet. Quoique, je ne peux pas réinitialiser juste pour aller se balader un peu près de la station. Pas aller flotter dans l'espace. Je vole, il n'y a plus de gravité. Allons nous empaler sur le truc là-bas pour cramer au milieu des flammes. Et je vais me prendre ça. Et. Ça va faire ch'ploc. Boum. Allez, j'paf, le mec est costaud. Je vais mourir. Ou pas. En fait, non. Le gros rayon, c'est un truc qui fait joli, qui envoie un truc sur la Terre. Je sais pas à quoi il sert. Mais c'est joli.
Ouais, je sais pas, c'est joli. Peut-être un truc pour miner. Quoi qu'ils ont montré les vaisseaux pour miner. Oh, monsieur Train-Train, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Train-Train. Ce qui est chiant par contre, c'est que je peux pas réinitialiser le truc. Ok, et le bouton éjection, mais. Je peux m'éjecter, sachant que je suis pas à l'intérieur d'un vaisseau? Non. Pas trop de délai sur le chat, Astrin? Ça a l'air de bien marcher pour toi? Parce que aujourd'hui, c'est les tests. Il y a un truc autodestruction. Est-ce que je peux m'autodétruire? Je ne sais plus ce que c'est l'autodestruction. Il est où l'autodestruction? Putain, le binding est assez horrible. Je sais plus où ils ont foutu l'autodestruction. Toggle. Cette seconde, ça reste stable, et en plus là j'ai mis la qualité en moyen. Donc je peux aller, j'ai pas mis la qualité en minimal et comme ça pour avoir la vitesse maxi. Alors là il y a le edge. Ah, self-destruct. R alt plus back. Alt plus L ça doit être l'eject. R alt plus back ça doit être le self-destruct. Ouais, non, ça marche pas, des masses. Non, ça ne marche pas. Nine. Je sais pas quand je pourrais initialiser l'option exit game maintenant. Faudrait que je crève, mais je peux pas crever là. Pas X, bon, non. Des fois il dit presser X, mais là ça marche pas. Bon, non, tu peux pas tomber sur la Terre de toute façon au bout d'un moment et ça va te dire que t'arrives aux limites de la zone et pouf, t'es mort. Mais là, la vitesse où je vais, je pense qu'il y en a pour un peu trois plombes. Parce que là, je vais pas non plus super vite. Ça risque d'être un peu chiant. T'as d'ailleurs des personnes qui ont réussi à sortir apparemment avec un bug de la zone et d'aller sur la planète et. Bon, y a pas grand chose, hein, mais apparemment il y a vraiment déjà les. Et comment ça s'appelle les. L'environnement quoi. Les collines et tout ça. Je trouve plus le mot exact. Vendredi, je suis fatigué. On n'arrive pas aux limites là? La topologie du terrain quoi. Va dans la direction opposée, le recul va te faire accélérer. Ah voilà, bah voilà, je suis mort. Parfait. Non, là, je peux. Il va me dire d'appuyer sur X et je vais repartir. Normalement. Voilà, je suis revenu dans mon Cutlass. Tchou. Comme arme, ouais, ouais c'est gros laser. Si je m'arrête, allez, arrête-toi, allez, stop. Alors, il y a les pioupiou devant. Ah, il y a les gros en dessous, ils sont un peu plus lents, ça. Et en dessous, il y a des missiles, mais là, je peux pas les utiliser parce que j'ai pas d'amni. Voilà. Ah si, je peux, pendant que j'y suis, vous expliquer le nouveau système de signature thermique et de signature thermique et électromagnétique. Donc, si vous regardez, donc là j'ai la souris qui revient. Là, on a deux graphiques. Donc c'est les signatures. Ça c'est la thermique et ça c'est l'électromagnétique. Donc normalement, si j'arrête, si je commence à tirer, donc on voit que ma signature thermique électromagnétique augmente. Et si je coupe tout, normalement là je suis à l'arrêt, donc si je mets les moteurs, hop, et que je booste, la signature thermique explose. Parce que voilà, je chauffe. Et quand il y a des. Et après, comme ça, il y a deux types de missiles en fait, pour vous et pour les ennemis. C'est les missiles qui vont.
qui vont d'abord des missiles thermiques et les missiles électromagnétiques. Et en fonction de votre signature, ben, vous allez être plus ou moins visible pour ces missiles. Donc ouais, si, donc Rada, tu peux être plus ou moins furtif en fonction de ce que tu actives ou pas. Donc là, je m'arrête. Et là, normalement, la signature thermique diminue. Parce que là, je bouge plus. Et là, par contre, je tire, donc la signature électromagnétique augmente. Énergie. Donc là, dans l'énergie, si je désactive tout, donc là, je désactive les moteurs, les boucliers, les armes, il n'y a plus rien qui tourne. Donc là, on peut voir que ma signature thermique électromagnétique baisse considérablement. Mais par contre, je peux plus du tout bouger, quoi, à part la tête, quoi. Et après, j'ai plus le moteur, j'ai plus les armes, je peux plus rien faire. Donc, si je réactive, disons, ça doit être les. Voilà, ça c'est les moteurs. Donc voilà, les moteurs ont été réactivés, je peux bouger. Donc là, ça c'est les boucliers. Boucliers. Donc on peut voir que les boucliers c'est en train d'être chargé. Max les boucliers. Max les boucliers. Bouclier Boucliers. 100%. Et là normalement les boucliers vont se recharger beaucoup plus rapidement parce que j'ai maxé les boucliers. Voilà le principe de maxer les boucliers. Énergie. Ok, j'avais désactivé. Ça doit être désactivé. Normalement il y a un point en dessous pour dire s'il est actif ou pas, mais là ça a disparu, peut-être un bug. Donc là, je peux tout réactiver et ma signature thermique, et il y a tout qui va augmenter, voilà. Quand tu actives la furtivité restreinte, ça désactive ton refroidissement. Non, pas forcément, c'est juste, il n'y a pas vraiment de furtivité, mais tu peux choisir exactement qu'est-ce que tu coupes. Là, si je désactive, ça c'est les boucliers. Les boucliers, ben, ça prend de l'énergie et. Donc là, si je décide de les couper, on peut voir que ma signature électromagnétique diminue. Et parce que les boucliers, voilà, c'est pas de la surchauffe. Là, on n'est pas comme dans l'IT. Il n'y a pas de surchauffe. Là, c'est vraiment signature électromagnétique et thermique. Là, on s'en fout de la température. À part la générale. Donc là, tu peux juste voir, en fait, si tu tires trop, t'as tes armes qui vont chauffer. Voilà, là tu peux le voir, donc là c'est en train de grimper. Donc hop, c'est ça, c'est voilà, la température, c'est juste là où ça influe, c'est que plus tu vas tirer, plus ça va, la température de l'arme, juste de l'arme augmente. Et il faut attendre qu'elle redescende pour pouvoir continuer à tirer. Salut Bardak. Mais sinon, si... bouclier. Non, énergie. Énergie. Voilà, donc là c'est vraiment, tu choisis juste ce que tu coupes. Si tu passes en mode furtivité, tu sélectionnes les composants que tu as envie de couper. Tu peux juste garder tes moteurs, qui sont indispensables, tu peux couper ton bouclier, tu peux couper tes armes, tu seras sans défense, mais tu seras un peu plus furtif. Sauf que là, tu actives tes armes, d'un coup, tu augmentes ta signature électromagnétique, tu es moins furtif, mais tu as des boucliers. Voilà, bouclier. Et là, il y a tout qui est en train d'augmenter. Bouclier avant. Donc là, je lui dis, fout tout sur le bouclier avant. Et c'est lui qui est en priorité, qui a été rechargé. Reset bouclier. Et hop, là, je remets tout. Je mets tous les boucliers à niveau égal. Donc je peux vraiment tout régler. Ah, c'est grosso modo. Merde, pareil, Elite, ouais, couille chaud, pas tout à fait, parce que vraiment, Elite, quand tu tout en furtivité, c'est t'as la température, c'est constamment, tu surveilles constamment ta température quand tu voles, quand tu t'approches d'une étoile. Alors que là, on s'en fout, quoi. On s'en fout, c'est on se prend moins la tête à la température, quoi. Pas du tout. C'est vraiment, je surveille le statut de chacun de mes composants, mais après, température du vaisseau, tu la vois moins, tu la vois pas du tout, quoi. Général. Bon, après, je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer, à part ça, y a rien de nouveau depuis mon dernier stream. Normalement, il devrait y avoir plus de nouveautés avec le prochain patch et le module FPS. Donc là, c'était plus une occasion de tester mes nouvelles configurations de stream qu'autre chose, qu'en fait. Mais on va faire un peu de Vanduul Swarm pour avoir un peu d'action, parce que là, pour l'instant, c'est très théorique, mais il n'y a pas beaucoup d'action.
Je vais ressortir et je retourne dans le hangar. Est-ce que vous avez des questions? Des choses à savoir que... Comment elle est Yo par rapport à Elite? C'est super rapide. Elite, c'est super lent. Ici, t'as plein de thrusters pour être super réactif. De toute façon, tu vas le voir dans le Vandal Swarm, tu vas voir que le dogfight est beaucoup plus rapide comparé à Elite. Même s'il faudrait que ça fasse un petit moment que j'ai pas touché à Elite, faudrait que je m'y replonge un peu. C'est sympa pour voyager Elite, mais c'est un peu chiant à jouer. Toujours à se faire du transport de marchandises, c'est pas fun fun quoi. Mais t'inquiète pas Astrain, tu vas le voir de suite, parce que là je vais prendre mon Super Hornet, qui est le vaisseau le plus rapide et le plus maniable. Comparé à là, c'était le Cutlass qui était prêté pour la semaine. Donc c'est plus du transport de troupes. Déjà c'est plus réactif que sur Elite. Mais tu sens quand même, quand t'as l'habitude, un temps de latence, et tu sens qu'il y a une masse derrière. T'as quand même une vraie différence de poids et tu sens qu'il est moins maniable. Alors que là, c'est vraiment le vaisseau le plus maniable du jeu. Il fait quoi le Ding Games là? Planté? Ah, pour précision, les loadings sont super lents et le jeu est installé sur un SSD. C'est quoi ce train là? Vous venez de vous faire sanctionner? Il s'est passé quoi? Oula, je n'ai plus de mémoire. Ah ouais, ma RAM est à 100%. Ouh. Tu t'es pris un TT sur HFR à ce train ou quoi? Mon Super Hornet, il est pas beau, mon Super Hornet. Regardez toutes les armes que j'ai. Deux places. Des canons en haut. Plein de piou-piou. Non, y a, en fait, il y a plein de thrusters et il est super maniable le Super Hornet. Il m'a juste coûté la peau du cul. Mais le jeu sera énorme. Arena Commander. On verra tout à l'heure si on fait un Spectrum Match, mais j'ai peur de pas avoir assez de débit pour jouer en même temps en ligne et streamer. Putain, j'espère que la fibre arrivera un jour dans mon immeuble. Alors, on va prendre du Dying Start. Pour l'instant, il y a deux cartes. Normalement, d'autres devraient arriver. Et la taille des maps devrait bientôt augmenter grandement parce qu'ils sont en train de migrer tout le CryEngine 3 du 32 bits au 64 bits. Voilà. Donc, normalement, on va pouvoir avoir accès à des chiffres bien plus grands bientôt. Donc, à des zones bien plus grandes. En plus, ils ont embauché plein d'ingénieurs qui était chez Crytek, et comme ça allait pas super fort chez Crytek dernièrement, bah, ils ont pris plein d'ingénieurs de chez eux et ils ont créé un studio en Allemagne. Et voilà, ils ont racheté tout le monde. Plein d'ingénieurs qui connaissent le CryEngine et ils sont en train de recoder un CryEngine juste pour eux. Allez, c'est parti. Donc ça va dépoter. Bon, tout le monde est encore là, le chat marche, pas trop de délai, j'espère que c'est pas trop dégueulasse à regarder. Là, devrait y avoir un peu plus d'action. Bon, les deux IA qui vont jouer avec moi sont des grosses quiches et vont pas trop m'aider. Ça serait mieux avec des gens en ligne, mais c'est pas grave, on va faire avec. Quelle heure il est? 21h44. Ah, déjà 3 quarts d'heure quasiment. Allez, go. Max les boucliers. Bouclier 100%. Général. Hop, on vise le premier. Moteur à fond et on va se le faire.
Donc là, vous voyez le petit carré que vous voyez, c'est l'ordinateur de bord en fait qui calcule le vecteur d'interception. Donc en fait, il faut foutre le carré sur le vaisseau. C'est là en fait où il va se trouver au moment de tirer. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc là, ça va être un peu chaud. Donc si je lis pas le chat dans l'immédiat, vous inquiétez pas trop. Hein. Donc là, j'ai 4 putains de lasers, plus 2 lents et des missiles. Les missiles, je les garde pour plus tard. Allez, ben. Allez, on utilise un petit coup de boost. Allez. Les vagues, il y en a 15 avant. Peut-être qu'ils ont monté jusqu'à 20. Donc comparé à Elite, tu peux voir que là, Astrain, tu vois, là, ça bouge super vite. Droite, gauche, hop. Je tourne en tous les sens, ultra rapidement. Hein. Là, tu vois, le yo, hop, 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 hop. T'as bien la vitesse à laquelle je tourne. Bon, j'ai toutes les sécurités désactivées, mais bon. Pour l'instant, c'est ultra simple. Là. Les premiers, ils ont pas trop de répondants, mais ils picotent un peu ceux d'après. Donc là, c'est bien cool pour l'instant et ça s'améliore vraiment à chaque patch. Bon, pas le premier patch en général de chaque série parce qu'il est, c'est ultra buggé. Là, par exemple, on est au 1.03. Il a fallu attendre un patch ou deux pour que ça soit vraiment patch depuis la version 1. Allez, hop, c'est bon. Ah non, pas encore mort, voilà. Suivant. Hop, un petit coup de boost pour me remettre dans l'axe, parce que si je tourne trop vite, en fait, je continue de partir vers l'arrière. Donc, pas tirer trop souvent, le temps, faut attendre que... Hop, hop, hop. Donc pas trop tirer pour pas se faire surchauffer les armes. Ah. Allez, accélère. Oula. Tu vas pas me toucher longtemps toi. Oula. T'es où bâtard? Hop. Alors Rada, t'as pas trop la sensation de vitesse vers l'avant? Bah pour l'instant là la map est un peu sombre aussi, donc là j'avoue que c'est un peu difficile à voir. Mais ça dépend des environnements. Mais ça c'est de toute façon ils sont en train de le régler ça. Ils vont peut-être augmenter la vitesse. Ils ont déjà doublé la vitesse par rapport à la toute première version. Bah, justement ça allait encore plus lentement avant. Mais je peux mettre des coups de boost pour vraiment aller vers l'avant. Alors là c'est vague 3, donc à chaque toutes les vagues 3, 6, 9, tout ça, il y a un gros qui arrive, qui lui est méchant. Donc là, c'est le Little King, qui est un peu plus puissant que les autres. Donc je sais pas où il est le Little King, il est derrière, donc en général c'est celui que je me fais en premier. Donc là je vais utiliser mes missiles thermiques. Donc là j'ai loqué un coup. Je vais attendre, me rapprocher. Bon là ça a été raté. Le missile à bout portant quoi. Oula. Bon pour l'instant tout va bien, j'ai pas été touché. Allez! Tu vois, ils sont beaucoup plus costauds que les... que ceux de base. Voilà, ça c'est fait. Ouais! Vas-y, bâtard, tu t'en veux toucher là? Je commence à surchauffer. Ouais.
Voilà. Là, on a un peu mis des astéroïdes, donc là, c'est un peu chaud. Ah, Shad, bonne nuit, Shad. Va voir House of Cards. Allez, reviens vers l'avant. Hop, suivant. Ce vaisseau est une grosse brutasse. Pour en avoir testé quelques-uns en plus. Oh là, je suis arrêté là. C'est de la maxi brutasse. Je vais faire de la piraterie moi dans le. Dans le jeu. Ou mercenaire. Je vais me faire payer pour escorter les vaisseaux. Donc là, c'est un peu tendu, mais les astéroïdes. Allez, là je suis au taquet. Allez, un petit coup de pouce pour aller vers l'avant. Je trouve les animations des. Ouais, oh, il me l'a piqué l'autre. Ouais, je trouve les animations des boucliers toujours aussi fun quoi. Et bien foutu à regarder. Enfin, plus quand c'est celle des autres vaisseaux que la nôtre. Mais... il est où le suivant? Allez. Allez, je vais me le faire lui. Hop. Reset énergie. Énergie équilibrée. Général. Ah putain. Ah mais je suis pas fond là en fait. Allez. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça. J'arrive pas à me le faire celui-là. Voilà. Et comme vous voyez, je joue à la manette et ça se joue super bien. Voilà, un plus. Et hop là. On est à la de combien? 5. On va faire la 5 là. Ils sont où? Ils sont là-bas. Donc là il va y en avoir de plus en plus et il vaut mieux éviter de se les faire en full frontal. Pas passé loin celui-là. Voilà, ils sont en train de se faire laminer, mes mecs. Ah ouais, mais bon, vous avez qu'à vous. Putain, allez, voilà.
parmi les astéroïdes, ça commence à chauffer. Voilà. Il est le suivant. Oh, face à face. Hop. Ouais. Vous êtes calme sur le chat, pas grand chose qui se passe, trop concentré en regard des jeux quoi. Ou tout le monde s'est barré. Max les boucliers. Bouclier 100%. Bouclier. Oh putain. J'ai voulu faire mon kéké là. J'ai pris un peu des dégâts. Général. Allez! Ah, j'ai perdu un de mes coéquipiers. Et normalement, les coéquipiers respawnent après toutes les trois vagues. Quand on a battu la vague, tu sais, où il y a le. Les gros boss, donc la vague 3, 6, 9, tout ça, hop, normalement après il respawn après cette vague là. Et normalement les missiles se remplissent aussi, et les munitions qui utilisent des balles comme les mitraillettes. Donc c'est tout est refil après le. Oula, là j'ai pris des G, je suis en train de me venir. J'ai pas testé encore, je sais pas montrer le système de G où le mec s'évanouit quand on prend trop de G. Là je l'ai activé mais... hop, là je désactive toutes les sécurités. Et là je suis full manuel. Voilà. Scavenger, pas lui. Ah voilà, The Priest. Alors lui c'est le premier méchant là. Hop, on va se le faire en priorité. Ils sont tous sur le mec quoi. Tout sur mon coéquipier. Très bonne distraction. Oh putain. Là, je suis en train de me faire loquer la gueule. Hop, 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 putain. Culé, il m'a balancé des missiles. Oula, hop, putain. Ouais, bah, je sais. Boum! Ok, il a voulu, le connard. Salut, Jackie! Max, les boucliers. Bouclier 100%. Général. Mais putain de missile là. Ils servent à rien. Ah là on arrive à la limite du... Bah il est ce con, il est mort tout seul.
Il a foncé comme un abruti dans le tas, dans la limite du jeu. Genius. Pure genius. Là, je suis en train de prendre assez cher. Donc, il faut que je me les fasse tout seul. Waouh. Ouh, il est pas passé loin, lui. Ok, je désactive la sécurité. J'ai désactivé toutes les sécurités. On va pouvoir tester le système de G. Ouais, je sais, ta gueule. Je sais même pas combien il en reste. Oula, j'ai pas les astéroïdes là. Voilà. Bim, allez, c'est bon. Ok, donc les deux coéquipiers repop, puisque là je viens de finir la vague 6. Et tous les autres ennemis reviennent. Et là commence. Vague 7, ça commence à piquer. 7, 8, 9, après la 9, en général je crève à la 9. Là, c'est la 9. Après, ils sont un peu trop puissants. Et vu que j'ai des coéquipiers qui sont totalement useless, Aline, tu peux aller plus loin. Si t'as des mecs qui maîtrisent, tu peux aller plus loin. Mais là, l'IA est tellement débile. Allez, putain. Ok. Tu tentes de me tirer dessus là? Mais je sais, proximité à l'heure, je suis pas aveugle. Putain, y'a un truc qui me tire dessus. Oh bâtard! Merde, j'ai perdu mes armes du dessus. Putain de ta mère! Ok, je pars en couille, c'est pas grave. J'ai perdu. Oh putain, j'ai tout perdu. J'ai plus qu'un truc en bas. Ah, je suis touché. J'ai perdu mes deux trucs en bas. Mes deux trucs en haut. Ok. Pourquoi tu dis que ça va pas bien avec Zoé? Zoé pour rien dans cette histoire, hein, c'est que. Donc j'ai plus qu'un puté laser. Au lieu des 4 habituels. C'est pas grave, on va faire avec. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. On va y aller le missile. Hein. Mais ils servent à rien ces missiles. Voilà. Bon, pas me faire chier ces trucs. Hein.
je suis dans la merde. Mais oui, proximité à l'heure, je le vois. Allez, Warlord, il est mort. Bon, je mise tout sur les boucliers, hein. Comme d'hab. Mais non, c'est pas ça. Max les boucliers. Truc qui s'active pour rien. Max les boucliers. Max les boucliers, connasse. Max les boucliers. Bouclier 100%. Eh, c'est pas trop tôt, hein. Allez, voilà. Allez, t'as bien maxé. T'as bien maxé. Putain, parfait, parfait le maxage. Non, c'est pas en ligne, Jackie, c'est contre des... C'est du offline. Et j'ai deux coéquipiers qui sont pilotés par l'IA et qui sont de grosses qui chassent. Ok, vague 8. Et la 8, je peux m'en sortir. La 9, je la passerai pas. Bon, après, je suis chaud, je me prends une humiliation en ligne. Ok, ça max le bouclier. Putain. Max les boucliers. Mode évasion activé. Bouclier 100%. C'est pas trop tôt, hein, quand je suis mort. Ok, ok. Bon, bah je ne passerai pas à la vague 8. Putain. Là, je suis à deux doigts de m'évanouir là. Je ne vois plus rien. Voilà. Un. Général. Ok. Ouais, j'ai plus qu'un laser. L'autre, il a été touché. Il en reste combien? C'est bon, c'est le dernier pour moi. L'astéroïde, pas passé loin lui non plus. Wouh. Et c'est que de l'alpha. Et je m'amuse. Et voilà. Wouh. Allez, là je meurs. Alors, il est où le gros méchant? Bloodhound, c'est lui. Alors, c'est pas compliqué.
Allez, 4 missiles dans la gueule. Allez, je me rapproche. J'attends. Putain, il se prend tout dans la gueule l'autre. Ok, il est mort. Ouh, ouh, je suis touché. Et merde, je l'avais pas vu. Je suis mort comme une merde. Ok, en attendant, je crains. Voilà. Voilà, bim. Et tu t'en prends les 4 derniers dans la gueule. Et je meurs en beauté. Et il est mort. Au moins, je suis pas parti tout seul. Ok, là il est en train de faire de la tachycardie le mec là. Putain, il a deux doigts de s'évanouir. Bon, j'ai plus de missiles, mais au moins il est mort l'autre bâtard. Oh putain. Oh putain. Putain. Ouh. What? J'ai rien dit. Maxi bouclier. Bouclier 100%. Général. Ok, j'ai plus d'armes en bas. J'ai tout perdu sur les côtés, il me reste plus ça. Ok, on va se calmer sur les tirs. Max les armes. Général. Moi, ça doit les faire refroidir un peu plus. Vague 10. Vague 10. Max, le bouclier. Bouclier 100%. Bordel, ça commence à rêver ses mères le jeu par contre. Avec toutes les IA là. Allez, prenez cher là. Fais-moi les malins. Bam, putain, I'm on fire. Général. Énergie. Général. Allez. Oh putain, il me manque la moitié. Oh putain, mon vaisseau, il me manque la moitié de l'aile quoi. Oh, ça vole. Ça vole, c'est pas grave. Putain, la moitié des pièces, il y a des pièces qui sont transparentes, c'est pas grave. Ok, vague 11, je crois que je suis jamais allé aussi loin. Ils sont tous morts, il n'y a plus personne, c'est pas grave. Ah si, encore il y a quelques coéquipiers qui sont là. Ok, ils vont faire diversion. Mode évasion activé. Mais non, Max les boucliers. Max les boucliers. Bouclier 100%.
Hop, 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 hop. J'en amènerai le maximum en enfer. Mais oui, down, tout est down, il y a tout qui est rouge, je le sais, connasse. J'ai plus de missiles, général. Général. Ok, j'ai plus de missiles, j'ai plus rien, tout est rouge. Tout se surchauffe là. Viens là toi. Mets ta gueule Zoé. Max les boucliers. Max les boucliers. Général. Bouclier 100%. Non, hop, t'as vu comme j'évite. Je m'appelle Han Solo mec. Surchauffe à mort. Fou. 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 Putain les bâtards. Putain, il est pas passé là encore. Allez. Hop, je crois que j'ai touché mon coéquipier. Désolé. Fallait te pousser aussi, hein. Putain, mais il est costaud lui. Je surchauffe. On peut toucher lui. Bah je sais, mais bon, hein. Voilà. Ouf. Vague 12. Ah. J'ai plus de missiles, j'ai plus rien. J'ai la moitié de ton vaisseau qui est détruit. Et j'attaque la vague 12. J'ai plus rien. Et puis c'est une épave mon truc. PD. Alors je me fais PD. De toute façon elle a plus qu'une solution. Putain c'est une armée qu'ils ont les mecs. Il est où PD? Allez je me fais PD. À la kamikaze. Allez, accélère un peu là. Je le fais. Putain, je me le ferai jamais. Ouais, ok, je suis tout seul. Génial. Putain. Ok. Allez, flares. Hop, j'évite le missile. Paf, paf, paf. Je vais les semer dans les astéroïdes. Je désactive toutes les sécurités. Ah oui, je sais, connasse.
Allez, allez PD. Putain, y'en a trop là. Mode évasion activé. Mais ta gueule, toi! Max, les boucliers! Bouclier 100%. Heureusement qu'il est mal configuré, mon mode évasion. Général. Ce que c'était ça. Oula, ça c'est pas bon. Parce que c'était. Ah ouais, ah j'ai perdu la direction. J'ai plus la direction. Bon, bah là j'ai plus rien parce que je compte. Oh! Oh, je suis mort. Regardez, je n'ai plus que le cockpit. Adieu. Je préfère m'éjecter. Plutôt que de mourir sous les assauts. Allez vous faire foutre. Ah! Oh, je suis cuit là. Ah, c'était physique là. Ouais. Vous voulez une partie en ligne ou pas? Vous voulez que je me fasse humilier en ligne? À 37 minutes quand même la partie. Hein. Ça, je crois que j'ai jamais fait autant. C'est bien plus que je l'ai enregistré. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là quand même. 22h23. Ouais, vendredi soir, j'ai un peu marre. Non, je pense qu'on va s'arrêter là. En plus, faut que je sois d'attaque pour lundi. Encore un nouveau stream, donc je pense qu'on va revenir dans le hangar. Et on va s'arrêter là. Pause, Zoé. À bientôt, capitaine Jack Warrior. Voilà, comme ça, je coupe la reco vocale. Ça en sera un peu plus tranquille. Ah, parce qu'en ligne, en plus, je pense que j'aurai pas assez de débit pour streamer. Et jouer en même temps, ou alors je vais avoir un ping assez colossal. Je vais revenir au hangar. Si le jeu me laisse reprendre la main. Pop, les chargements sont super longs. Vivement qu'ils optimisent le tout. Ah ben plus c'est nickel, je reviens au hangar juste où j'avais envie d'être. Bon ben moi je vous dis merci d'être venu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la quatrième partie du stream sur Beyond Good and Evil. Le stream sera sûrement plus court lundi. Il fera pas 2 heures comme les autres jours en général parce que là je suis près de la fin donc je vois à peu près ce qu'il me reste à faire. Enfin on verra. Je vous dis aussi à bientôt pour un nouveau stream sur Star Citizen parce que le patch 1.1 devrait sortir dans la nuit demain ou dans les jours qui viennent. Et je ferai sûrement un stream quand le module FPS sera sorti. C'est-à-dire d'ici fin mars si tout va bien. Et ça devrait être bien sympa le mode FPS, on va voir ce que ça vaut. Donc, ben voilà, merci d'être passé, bonne soirée, bonne nuit, à lundi à ceux qui seront là pour Beyond Good and Evil, à bientôt pour les autres, ciao, à plus!